Au moins ce fois-ci, quoi. J'ai fait ça, mais... Ce qui est très drôle également dans un restaurant chic à faire, c'est ceci. Tout le monde avait un chien. Qu'est-ce qu'il va faire? Et voyez comme on est sage, on boit de l'eau. Alors, comme ça, je trouve fatigué. Bonjour. Bonjour, Raphaël. Hello. Hello, Jean. Hello. Bonjour, toi. Caroline. Caroline, qui a décidé de marcher avec nous autres un petit bout depuis Nicolet. On est mort. Sérieusement. On est un peu découragés. Et nous, il faut partir parce que c'est mon premier spectacle ce soir à Montréal. Il faut retourner à Montréal en hélicoptère. Ça, ça va être la fun. Fait que... Mettons que Jean, là, tu nous improvises une connerie là, pour qu'il y ait un peu de niaiserie à la Gros Luxe dans cette émission-là. Là. Hey, je m'excuse, ça doit être l'animation la plus plate que j'ai faite dans ma vie au Gros Luxe, mais en même temps, c'est tellement la plus vraie. Pas que c'est pas vrai d'habitude, là. Jusque-là... T'en as déjà fait des plus plates. Messieurs, messieurs. Oui. Je viens d'avoir le total de ce que nous avons ramassé depuis lundi. Ils ont déjà fini. Ils ont compté. Ah! On a fait 3549, gars, c'est écrit! Es-tu sérieux? Tu niaises pas. 3589. Aïe, aïe, c'est yes cool, Stick. Fort! Moi, je fais ça dans un an à peu près. T'aimerais ça, faire ça. Ouais, j'aimerais ça. Le pitié, là, il fouillait dans les poubelles là tantôt, Raph. Je me suis trouvé une piscine. On va vous juste vous équiper, puis après ça, vous amène prendre le repos. Nous, on a passé par... La Ah, ça s'appelle la trempe? Là, c'est ça. Puis vous êtes dans le bec en cours. C'est notre puis on vous a ramené ici. Oui, parce que sur notre carte, c'est écrit 132 aussi, puis celle-là aussi, 132. C'est ça. Puis bon, ben... Okay. Après ça, on a dit on pouvait faire un dodo, ils ont besoin... Ah, ben là, on ne veut pas déranger, là. Il y a des... Pour vrai? Oui. Juste 15 minutes avant de m'évanouir. Pas de problème. C'est bien gentil. Tab, ben oui. Il y a du bon monde à bec en cours. C'est ce que j'ai su ici, là. J'ai fendu mon fond de culotte. C'est vraiment les meilleures culottes pour marcher. Pour moi, là. Fait que comme ils sont très gentils, j'abuse. Puis j'ai demandé si je pouvais faire une couture. Karine va faire ça solide. Soyez pas inquiète. Viens avec ça. C'est professionnel. Ben oui. Wow, attends un peu, t'as des la haute couture en plus. Ah. Au moins. On va le dire, mon grand, 5 semaines. Hey, vas-tu me faire caca dessus, là? Non, on va lui donner. C'est bien fun! Félicitations! Merci beaucoup. Je peux-tu le dire, moi aussi? Oui, tiens. Ça a l'air de fun. Daniel Blanchette de Victoriaville. Peut-être que Jean pourrait faire son imitation de Félix Leclerc là-dedans. Ça va tout défaire les faits, mais je peux bien essayer. Entre un fil de seconde et la lèvre, il est plus fou que
Nord, du Nord. Oh, le train du Nord. Chou, le train du Nord. En père du Nord. Oh, du Nord. Allez, là, mer du Nord. Mais c'est pas moi qui vois le blanc, mais non. Mes amis, paraît-il, c'est pas la place pour les souliers vernis. Dépêchez-vous, le salut aux souliers, si vous voulez, et pardonnez. Faut marcher à la vitesse que je veux, toi et moi. Je peux te foutre la gueule à travers ça? Je sais pas, je sens plus rien, là. Laissez la police sortir de ce véhicule immédiatement et donner un don. Sinon, Jean vous battra à grand coup de patte. Messieurs, s'il vous plaît, restez dans votre véhicule. 125.11, 114 km. Excuse-moi, hein? Demain matin, nous aurons 114 km à faire pour rejoindre Québec. À 30 km par jour, cela nous donne 60 km. Et l'avant-midi dimanche, donc rajoutons 20 km, 60 plus 20 égale 80. Jamais qu'on va se rendre. Il y a un hélicoptère qui vole dans les airs. Là, l'hélicoptère est arrivé, alors c'est ça, je m'en vais à Montréal faire mon spectacle. J'en ai trois tout de suite à faire, fait que vous allez la voir souvent, l'hélicoptère. Et puis, suivez-vous, là. Allô, ça va bien, pas payé, toi, ouais, hein, tes hélices, puis mon bain. Wow. Voilà! Hey, on vient de polluer, je pense, hein? T'as-tu le droit de faire ça sur le bord des routes? Ils vont jamais savoir, c'est nous autres! En tout cas, ouais, c'est ça, on s'excuse, on n'a pas le droit. Bye-bye! Cool! Incroyable, Sylviane, tout ce qu'on a marché, là. On voyait d'en haut, là, toute la route qu'on a faite. Et on s'en va au Théâtre Saint-Denis. Moi, je dois arriver là. En fait, je devrais être là. Là, là, parce qu'il faut que je soupe. Il faut que je me prépare et tout ça. Faut que je me peigne aussi. Ça fait 3-4 jours. Ça fait 4 jours, je me suis pas peigné, pas rasé. Ça a bien été, puis en arrivant, là, une bonne clap, là, plein d'énergie, là, plein de compassion. Puis le, écoute, le public, ça a été un show ordinaire. Hein? Quand j'ai ouvert, j'ai pas fait vraiment de joke, j'ai pas parlé de la marche, pas en tout. Il y a juste un moment donné, tu l'as vu mon show, toi, au début, ouais. Je dis oublier. Tu sais, tu vas voir un show d'humour pour oublier, oublier ci, oublier ça. Là, là. Puis là, à un moment donné, j'ai dit oublier la douleur des muscles. Et là, ça rit, mon gars. Jean, il y a mal. Jean, il souffre. Je vais avoir besoin d'un massage et d'une psychothérapie en revenant. C'est gros, Luc. C'est n'importe quoi. Ça vous dérange pas? Non. Je sais, vous êtes bien gentil. All right, fait que là, on s'en va faire quel coin. Ah, qui a eu mon cul.
Ça fait du bien. Oh mon Dieu, ça fait du bien. En fait, je veux pas le chauffer, c'était une excuse, m'asseoir. Okay. Non, c'est pas vrai. OK, qu'est-ce qu'on fait? Le break, là. Le break, ça? OK. Tourne la clé. Tourne la clé ici. Oh! Corde, hein, à un moment donné, là, tu me vends de l'arbre, hein? Oh, oui. J'ai vu l'arbre, me senti menacé, attaqué, fait ça de même, shift en quatre, l'avais pas vu, passé en dessous de l'arbre, poigné le siffleux, rentré dans son trou, continué. Ça s'est passé vite, j'ai rien vu aller. Non. T'étais-tu là, toi? Oui, j'ai tout vu ça. Ah, t'étais mais... là, ouais, ok. J'ai passé tout droit, me suis frappé sur l'arbre. Jour quoi aujourd'hui, les gars? Jour 5. On est vendredi. Salut, merci. Et c'est ça, hier, pour vous dire, ça a été hier jeudi pour moi en tout cas, je sais pas si les gars sont d'accord, la pire journée à date. Pas physiquement, mais moralement. Moi, hier, j'étais écœuré. Comme j'ai dit, on est tellement fatigué qu'on est perdu. C'est-à-dire qu'on parle d'affaires, on sait même plus qui a dit quoi, puis c'était quoi la question. On est juste mêlés, on a des petits picots noirs dans la tête des fois. Moi, c'était vraiment la fatigue extrême, je pense. J'ai des choses à rajouter, les gars, je suis comme essoufflé, j'ai envie de rater. T'es essoufflé puis tu veux courir? Oui. Parce que Patrick a prévu courir là, en fin de journée, hein, peut-être un 3-4 km. Parce que je veux absolument qu'on se rende à Lobinière. Oui. Fait que si on veut être capable de le faire, je pense qu'à un moment donné, il va falloir courir. Et j'ai vraiment envie de me déranger les hanches comme il faut aujourd'hui. On dirait que j'ai envie de marcher beaucoup et vite. Si Raphaël peut arrêter de niaiser un matin, là. C'est une farce, ces gens. Je sais même plus quoi dire. Je suis tellement mort. Sylviane s'en vient avec nous autres, imaginez-vous donc, demain samedi, elle va marcher toute la journée. Moi, je dis qu'on se lève à 4 heures demain. On se lève à 4 heures. Puis, let's go. Parce que là, nous, ce qu'on sait, c'est qu'en kilométrage, là, il nous reste 80 km d'où on est jusqu'au pont à Québec. Parce que moi, j'aime pas bien ça, que c'est 4 heures du matin, t'as un chaud bien soir. Je le sais, mais garde. Je vais venir ici demain, je vais dormir une heure. Après, c'est fini, même. Oui, je sais. Bye, bye. Merci beaucoup. On va garder en chemin, mais on va commencer à faire ça. Merci à toi. Bon courage, les gars. Salut, Mike. Merci beaucoup. Non, je sais pas. Martin, ça achève, mon gars. En train de marcher entre Lobinière et Sainte-Croix et on a à peu près quoi 15 km, un petit peu plus, où il se passe rien. Puis on est en train de se dire maudit qu'on n'a rien à faire. Ah.
Donne-moi ta main! Non! Et puis ça, allez, ça, bien! Non! Prends un close-up là-dessus. Ok, tu peux couper. Hey, c'est moi qui mène aujourd'hui. Non. C'est ma marche. Ah oui, en arrière. On y va à mon rythme. C'est ça que je fais. Hey, toi, ta banane. Ah oui, en arrière. Julien, Luc puis Steve. Puis là, ça fait à peu près 2 heures que vous marchez avec nous autres, c'est ça? Oui. Puis comment vous vous sentez, les gars? Fatigué, surtout. Nous autres, ça fait à peu près au-dessus de 200 km qu'on marche. Puis on a mal un peu partout. Vous autres, là, vous dites que vous avez mal aux pieds? Aux pieds, aux jambes, puis fatigué gros. Chaud. Et voilà, c'était Jean en compagnie de ces deux messieurs sur le bord de la 132. Je réponds à mon téléphone. Il est manqué. Shit. Merci, Jean. Go, Pat, go, Pat, go, Pat, go, Pat, go, Pat, go, Pat, go, Pat. Ça va bien? Ça va, Maganim, ça va bien. Ouais. Bon, OK. Alors, qu'est-ce qu'on cherche, Jean, toi qui as déjà travaillé dans les quincailleries? Eh bien, Patrick, ce qu'on cherche sensiblement, idéalement, ce serait à peu près un 2x2. Oh. Là, toi, tu vas avoir ta pancarte à quelle hauteur du sol? Moi, je voudrais avoir la pancarte à cette hauteur-là, mais je voudrais que le bois entre là, comme ça dans le sol. Là. On aimerait ça peut-être avoir, attends une minute, me sortir mon accent, le gars de la construction. On aimerait ça avoir un bout de 2x2. Non, peut-être à peu près 6 pieds, mettons qu'on veut rentrer ça 2 pieds dans la terre, pour que la pancarte tienne, mettons, une centaine d'années. Là. C'est quoi, c'est 2 pieds? Ce qui est important, c'est l'effort. Je pense que je pourrais pas déplier ma jambe. Et comme croisée, j'ai essayé de la déplier, mais je suis trop bien de même. Elle va une affaire pour ouvrir des boîtes, juste pour me décroiser les jambes. Bonjour, messieurs! Ah, OK. Hey, on se demandait. Oui. On a une coupe de cossins qu'on voudrait décorer. Ça, pouvez-vous nous mettre ça là pour les moineaux? On devrait mettre de ce côté-ci parce que ce qui va être important, c'est le texte. Ouais, c'est vrai, OK. Là? Genre là, ouais. Le plus proche du bord possible, là. Oui, bonjour. Est-ce que je pourrais parler à Robert Boucher, s'il vous plaît? Oui, bonjour. Robert Boucher. Ça va bien? Vous êtes le maire de Saint-Antoine de Tilly. Pourquoi vous riez? Patrick Gros. Ouais, l'humoriste, je fais des blagues, moi, dans la vie. J'anime une émission à Musique Plus qui s'appelle Le Gros Luxe, c'est n'importe quoi. Alors là, nous, ce qu'on veut, c'est de développer avec vous une entente, qu'on puisse planter notre pancarte en quelque part et que ça devienne un lieu historique. Et je vous le dis, ça va devenir historique. Regardez, il essaye de trouver de la business. À... C'est excusez, n'importe quoi. Tu sauras que je suis en train de parler à un maire. C'est n'importe quoi. Excuse-moi, Robert. Si ça te dérange pas, je t'appelle Bob. OK. Bon, ben on va partir tout de suite. Puis sinon, je vous rappelle, puis on se rencontrera demain. Écœurant. Bonjour. Maintenant, les restes, je vais montrer à la place les grosseurs de l'air. Bon, ben parfait. Comment on avait planifié ça? Ah, mettons ici le gros luxe. Parce qu'on a un plan en passant, là. C'est pas, la canne de peinture. Le gros luxe. Ça va être ça, finalement. C'est là que ça va arrêter, comme on s'est dit. On va se faire une petite pancarte. On a parlé au maire tantôt, il était super gentil. Et il va nous trouver un lieu pour planter cette belle pancarte-là. Et c'est ça. On va-tu la préparer? Moi, je trouve que c'est de la belle pancarte. C'est ça. Toi, qu'est-ce que t'en penses? De même, Jean? Ah! Ouais. On peut avoir un petit espace pareil entre les lettres, non? Il me semble qu'ils sont collés. Ah ouais? Non. Non? Non. Il n'y en est pas question. OK. Bon, ben moi, j'y vais. Il y en a deux, là. 31 mai, c'est le départ. Puis... Moi, je veux changer le plan un peu. Est-ce qu'on peut avoir une réunion? Oui. Je pensais peut-être mettre le 2004, là. Ouais. OK. Correct.
ça peut marcher. Super. OK, on va changer le 2004 de place comme prévu. Ben, comme qui n'était pas prévu. Fait que on le fait tout de suite, là. OK, c'est en train de se faire. OK, c'est cool. Merci. Les deux faces, 2004. Patrick, c'est très, très bon. Je vais rajouter des petits points ici. Alors, notre X! Kilomètre X, kilomètre point. C'est beau. Bye tout le monde. Merci. Il est 5 heures, on est au Saint-Denis, on vient d'arriver. Je fais mon spectacle, tu viens nous rejoindre Pat tantôt. Ouais. Et on retourne ce soir en avion, parce que là, on est rendu à Québec. On est à 2h30 de Montréal. Fait que là, on va aller prendre l'avion. On s'est dit tant qu'à y être, ça a l'air qu'il y a quelqu'un qui nous fait ça gratos. Fait qu'on va aller faire un tour d'avion. C'est volé avec François, ça. Ça, on n'a pas de problème, on va pas s'en faire. Je suis just take the plane and go in the air. The air, the air, and you're happy because you're like down to the earth. Roger, this cat. Foxtrot. Des mots que j'ai appris en hélicoptère. Foxtrot. Ça veut dire ça, Foxtrot. Comment ça va? Toi? T'as-tu couché, là, toi? Oui, j'attends justement son appel parce qu'il va nous appeler à peu près 20 minutes avant que vous arriviez ici pour qu'on s'habille et qu'on vous attende. All right, d'abord. On vient d'atterrir, nous autres. À tantôt. À tantôt. Ciao. Jean, il nous attend. Il est 1h09, on devrait arriver à l'hôtel à 1h30. Et Jean nous a dit qu'on l'appelle, ils vont s'habiller, puis on va marcher 2 heures, puis après ça, on va se coucher. Ça, c'est vraiment n'importe quoi, ça. C'est ce qui fait fête, mon gars. On est cave. Hein. Là, je me sens cave. Ça, c'est l'orgueil. Là, c'est ça, on est dans la nuit de samedi à dimanche. Demain, c'est le rassemblement de Calin. On se lève tôt. Moi, je suis revenu de mon spectacle. Il nous restait une couple de kilomètres à marcher pour se rendre au village final, qui est le village de Saint-Antoine-de-Thillé. Fait qu'on n'avait pas marché de soir encore, de nuit, puis on a décidé de le faire ce soir. Pas beaucoup de dons, hein? Non, pas beaucoup de dons. L'avantage, par exemple, c'est qu'on est tout seul, puis on avance plus vite, puis on y va, puis il fait froid, puis on a vraiment hâte d'arriver. Essaye de l'appuyer, Pat. Hein? Il est-tu, là? Il est sur la main. Oui, tu là. Yeah, man! J'ai la lune dans mes mains! Et là, je l'ai attrapé. Oui. Élie, ta femme. Ça veut dire, Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? C'est qui est con. Fais comme Jésus qui s'accroît. Dimanche, le 6 juin. Et on est à Saint-Antoine-de-Thillé. On est arrivé dans la nuit. Bravo. Merci. Et là, ce qui est plate, c'est qu'il y avait des milliers de personnes tantôt. Là, il fallait qu'ils partent ici. Il est l'heure de la messe. Merci, M. le maire. Alors, on va aller rejoindre tout de suite Roger.
Roger. Dan Robert. 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 Ça va bien, Robert? Ça va bien. Oui, Roger, ça va bien. Voulez-vous que frappe, monsieur le maire? Correct. Ça va être une excuse pour pédaler jusqu'à Québec. Ça, ça prendrait un autre frappeur. Ouais, je vais le faire. Ça tient-tu, là? Ça tient juste assez pour le gros luxe. Alors voilà, nous, on a passé à tout le monde, même les oiseaux. Ça, c'est pour, c'est un jouet pour les touristes. Okay. Il arrive, ça, une poignée de porte, ah, ben oui, ça ouvre rien. Tu sais, c'est le fun. Okay. Ça, c'est un crochet pour les chapeaux. Alors, merci beaucoup. Merci, Robert. Un plaisir. En passant, je vous agace, je sais que c'est Robert. Il faut être à Montréal, nous, pour Montréal. Voyons, Québec pour midi. Parce que c'est le rassemblement de câlins qui commence à 1h, il faut se préparer. Et c'est pour ça qu'on s'est arrêté ici. Parce que s'il n'y avait pas eu de rassemblement de câlins, on serait allé à pied, hein? Il reste à peu près à 30 ou 35 km, hein, je pense, avant Québec. Alors, on a décidé de le faire en vélo, hein, qui est quand même pas facile, là. On l'a essayé tantôt. Alors voilà, on s'en va au rassemblement de câlins. On vous remercie d'avoir été là avec nous autres, de nous avoir suivis. Et, Oui? Hein? Oh, c'est moi! Oh! Bye bye! C'est pas mal! Alors voilà, on part à l'aventure, moi et Raphaël. Et Jean qui suit en arrière avec son magnifique vélo siège banane. On s'en va à Québec! Ouais! Ouais! Un, deux, trois, go! J'ai jamais fait ça, je vais essayer de même. Ça, le pire là, c'est que ce qu'on disait, Saint-Antoine-de-Thiers, au pont de Québec, il y a 20 km. Tu sais, 20 km pour nous autres, c'est une demi-journée, tu sais. Ça va pas été du rassemblement, là. Ça aurait été cool. Si le rassemblement avait été lundi, là, ça aurait pris une semaine, mettons, là. On aurait pu rentrer à pied au rassemblement. Ouais. Différent, difficile, tu sais. C'est un difficile mental. Toute la semaine, ça a été ça. Aller plus loin, aller plus vite. Pas penser au mal. Ça, là, pour vrai, là, même si c'est une joke, je pense pas que ça l'est une joke, là. Faut être fatigué en maudit, se coucher là, se mettre la face de même dans cette position-là. Moi, je l'aurais pas fait. Moi non plus, c'est une joke. Non. Québec. On est à Québec. Ah, là, il reste pas, il reste presque rien. Il doit rester 5 km avant le pont, j'imagine. Puis après ça, 15 de kilomètres. Ah, oh, aime ça. Mesdames, messieurs, il est là, le pont. On est arrivé. Ah, merci. Des dons, des dons. Que j'oublierai jamais de ma vie, en tout cas, puis Raphaël non plus. Hein, Raphaël, t'oublieras jamais ça de ta vie? Oui. Ah. On est à Québec! On est à Québec! Québec!
Merci, les filles. C'est le président américain qui nous appelle. Moi, des cellulaires, je suis plus capable d'en entendre. Et je serai plus jamais capable de ma vie, je pense. J'ai envie de fesser dans les dents de quelqu'un à chaque fois que j'en ai. Et voilà! On est à Québec! On est parti de Montréal, on est venu à pied à Québec. ...245 km à pied. 20 en vélo. Pensez par là. On va à l'aquarium? Je sais pas où est-ce qu'on va, mais... faut faire le tour, s'en va aux plaines. Vous êtes capable de vous rendre aux plaines à pied? Il nous reste une heure. Si vous voulez venir avec nous autres, vous pouvez nous suivre en faisant une marche. On va suivre ici. Merci de m'avoir. OK, go! Là, pour ceux qui se demandent ce qui se passe, on vient de partir du rassemblement de Calais. Puis on s'en va porter un chèque à Opération Enfant Soleil. Fait que là, tout le monde nous a suivis, c'est super trippant, là. Vous êtes des capotés, merci d'être là. On est en préparation, on s'en va remettre le montant, Opération Enfant Soleil. Il y a une Moses de belle gang qui nous a suivis. On l'a fait. Mais pourquoi t'as fait ça au départ, là? Pourquoi t'as décidé? Parce qu'au départ, au départ, c'était pour mon émission de télévision, Le Gros Luxe. On s'est dit, on faisait un rassemblement de câlins la semaine passée à Montréal, nous. Et on en avait un autre aujourd'hui à Québec. Donc on s'est dit, on va marcher d'un rassemblement de câlins à l'autre. On a hâte de savoir ce que ça a donné, cette vidéo. Là, attendez-vous pas trop, là! Pour Opération Enfant Soleil, on a ramassé 20 000 $! Bravo. Bravo. Merci. Ça fait plaisir. Je suis tout taché. Je suis tellement fatigué, mon ami. Je sais. Ils nous ont fait marcher un autre 6 km, puis j'ai le genou complètement fini. Ça.
Ouais, c'est cool. OK, ça va. C'est trop. Qu'est-ce qu'on veut, country, genre. Country, c'est cool. La route. La route? Ouais. Ah, la route, ouais, plus. Ça, c'est peut-être le fun, hein? Ouais, ça va des plus. Ça, toi, là, ouais, tu le vois-tu? Voyons. Tu on est fait vraiment yeah. Fait groove dans le genre. Avec du drum, tu sais, un petit peu, ou une traîne.